La peine de 20 ans de prison infligée à l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo fait couler beaucoup d'encre à Abidjan. Chacun y va de son commentaire. D'aucuns parlent d'un procès purement politique, entaché de manquements faute de preuves matérielles ou encore d'une justice des vainqueurs. On a poursuivi plus les deux camps parce que on voit que la justice là pour actuellement elle est seulement que visée, elle vise seulement que le premier camp. Mais je pense que si on vise les deux camps, ça va amener les esprits ivoiriens à se calmer. Je vois que les juges du tribunal de première instance peut-être sont manipulés par le pouvoir. Donc je vois aussi que non, Mme Gbagbo n'a pas monté aussi la population contre un régime. Elle a su jouer sa partition en tant que première dame. Donc sa condamnation n'a pas été vraiment parfaite. Alors que l'opposition ivoirienne dénonce un acharnement du pouvoir, le gouvernement ivoirien dément toute interférence dans la lourde condamnation de l'ex-première dame. Il n'y a absolument pas d'interférence. La justice travaille d'une façon totalement indépendante. Ces jurés sont sélectionnés tout à fait, j'allais dire, au hasard, puisque ces personnes sont tirées au sort. Donc, n'allez pas imaginer que le gouvernement puisse ensuite s'entendre avec toutes ces personnes-là pour changer un jugement. Au total, 79 personnes étaient jugées dans ce procès fleuve. Outre Simone Gbagbo, qui écope de 20 ans de prison, des peines de 5 ans de réclusion ont été prononcées contre Michel Gbagbo, le fils de l'ex-président, et Abdourahmane Sangaré, un cadre du Front populaire ivoirien. Le parquet militaire a d'ailleurs annoncé l'ouverture dès ce jeudi du procès de 14 militaires membres de la garde rapprochée de l'ex-président Laurent Gbagbo. La Cour pénale internationale annonce de son côté le jugement dans un procès commun de l'ex-président et de Charles Blé Goudé, ex-chef de la galaxie patriotique. Selon le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Raad al-Hussein, le verdict prononcé mardi a mis à jour de graves déficiences structurelles au sein du système judiciaire ivoirien qui doivent être réglées de manière urgente.